xam nga message bi mooy message yu jikko fu jikko amul on est beaucoup plus assimilable à un animal tout court qu'à un animal pensant madame yalla nak def nu mok mok bayyi may ñoo yamlé ñuy lek di naan ça c'est biologique di solo def yépp koku ñoko mais amna lu leen ëppelé moy de disséquer la bonne graine de livrer xam lu bax nga dem ci xam lu bon tu t'abstiens lol mo ni différencier mais xar kay bu la bu rombé sa ñam daf ka lek xar lu xam amul xel ba yalla yow mu jox yow yalla yow mi mu jox xel wa hadaynahu najdayn ñaar yone gi ni bi baxna jaar ci bi baxul bu ta jaar yalla kay satis a l'humain il satis pas l'animal kon nak mu jikko baxulé rew du bax rew tubab yi ñu wax yalla defal len dañu def lutax yalla defal len dañu am moralité yam ci selu yam yene nit ñi jam fekk mais fi on aura tout l'or du monde mais fekk man ma ngi xol jamu di ka añané fekk jikko ji baxul jëriñul dara c'est pas possible tax tubab bi am lu nekk ñun ñi parce que balen yalla dafa mand yalla dafa xol ni ñom seen yoon nekkul ci kenn té am nañu jikko yu bax yam ca lañu am tok ca lañu am ñum c'est pas le cas chez nous yow da ngay ñu da ngay gis ko xamni il passe toute une journée di set waji la mu am ak fo mu dugg ak la muy def mais quand même c'est une perte de temps ngor gu bes gi loolu di diggal moy lima la wax la probité intellectuelle et morale bu ñu amé ñaar yi bi imkanina an nuqima ummatan qa'imatan bi dhatiha bu ñu amulé loolu du mëna def la probité intellectuelle et morale mais koku kay ça résume tout dëgg bu amalé xel bu amé xam xam té amulo jikko baxu bu amé jikko té amlo xam xam baxul il faut allier faire l'alliage des deux sans moralité un peuple ne peut pas bouger c'est pas possible c'est pas possible le prophète tout le temps qu'il a fait sur terre c'était pour parfaire la moralité pour montrer ce que c'est que la moralité dans sa façon de parler dans sa façon de faire mais tout doit reposer sur la moralité parce que sans moralité on peut quand bien même nous ressembler, être assimilés à des animaux. Parce que rien ne nous diffère des animaux, sinon l'esprit et la moralité. Raison pour laquelle, pour aspirer à des lendemains meilleurs, il faut passer par là, immanquablement par la moralité. Sinon, ce n'est pas possible. Tout le monde est responsable de lui-même. La voie à suivre, on ne la prendra pas à qui que ce soit. Tout le monde sait disséquer la bonne graine de livrée. Vous avez aussi évoqué la question de la jalousie, de l'individualisme. À la jalousie, c'est une monnaie courante et ça sévit de façon traumatique dans notre pays.